Vraiment que j'arrête. Là, je dois trouver le moyen de trouver ce méchant. Ça fait plus de un mois que je le cherche. Je dis bien un mois. Je vais aller dans mon bureau. C'est plus possible. Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchissons. Peut-être que si je prends le véhicule et que je fais un tour en ville vite fait, je pourrai le trouver. Nous ne savons pas. Et ma voiture. Oh non, en plus il pleut. Je vais faire de la magie. C'est plus possible. Ok, c'est parti faire le tour de la ville. Ils ont bloqué l'accès. C'est pas possible. C'est quoi cette ville? Bon, je sais qu'ils volent les enfants. Je sais qu'ils volent également toutes les autres choses. Alors, à mon avis. Oh. C'est quoi cette voiture? Elle est incontrôlable. Pourtant, j'ai fait les réglages hier. Bon, pas grave. Je me gare ici. Voilà. Il doit bien y avoir quelque chose ici. Vu que c'est l'endroit où tous les enfants vont. C'est parti. À Boardwalk. C'est forcément ici qu'il est. S'il ne l'est pas, c'est qu'il n'est pas passé à l'action. Mais je vais bien finir par le trouver. Il n'est pas ici. Il ne se fait pas passer pour quoi que ce soit. Peut-être qu'il est parti en haut de la montgolfière. Je passe devant. Je les mérite. Il fait nuit. Oh non, pas vrai. Il peut pas faire nuit. Malheureusement, si. Il va falloir rentrer à la maison. Mais je vais pas dormir tout de suite. Je vais manger d'abord. J'ai faim. Et je sens. Ouais. Je sens bien qu'il y a quelque chose par là. Voilà, je le savais. Il y avait bien quelque chose là-bas. Le méchant attendra plus tard. Oula, il y a le feu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas l'air d'avoir à manger ici. Ah si. Ici, il y a du soda. Bon, c'est bon, ça ira. Let's go. Allez voir ce qui se passe dans la ville. C'est qui klaxonne comme ça? C'est qui fait ce bruit-là? On n'a pas le droit de sonner en ville. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Le pire, c'est que j'ai l'impression que ça me suit. L'atelier de Père Noël. Allons voir ce qui se passe par là. Lui, vu que les enfants aiment le Père Noël, c'est possible que c'est lui
qui fait semblant d'être le Père Noël. Allons voir. Il faut aller voir ce qui se passe là-dedans parce que c'est improbable. Il y a l'atelier du Père Noël ici? No way. Bah voilà, il n'y a rien dedans. Mais c'est pas possible que ça soit sa maison. Ça ressemble ici. Par contre, ça fait quelques mois que j'ai mal au ventre. Pourtant, je mange quasiment pas. Je vais ressortir ma voiture. Et let's go l'hôpital. Pardon, madame. Allez, let's go. Mais combien ils ont mis de plaques comme des plaques d'égout là? Allez, on part là, je me garer là. Oh là là, cette voiture est infernale, mais. Et voilà. Y a bien quelque chose qui cloche quand même. Ça, c'est sûr. Mais moi aussi, je peux peut-être jouer à son petit jeu. Faudra voir. C'est parti. Let's go l'hôpital. J'espère que ça va. Madame, vous allez pas très bien ce que je vois. Aïe. Oh là là, les portes qui s'ouvrent là. Je travaille pas ici, moi. Je suis désolée. Bon alors. C'est où que je vais m'occuper? Je dois aller faire un rayon X, moi. C'est important pour moi. Doit vérifier ce qui se passe. Bon, ça a l'air d'aller. La nursery. Oh là là. Pour les nouveau-nés. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveau-nés ici. Bon, pas grave. Ah non, moi je change pas mon look, hein, je suis désolée. Chambre des patients. Touche pour aide. Et voilà. Bon, ben, il n'y a aucun docteur qui arrive. Parti. Je vais chercher la chaleur IRM. Ah, allez, ouais, voilà. On n'a pas besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils veulent? Je dois faire le rayon X, monsieur. Allez, c'est parti, les gars. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je bizarre comme ça? Il paraît cette zone concerne des lumières brillantes et clignotantes peuvent convenir aux personnes atteintes photosensibles. Ok. Voyons voir mon poids. Quoi? Je pèse autant? Qu'est-ce qui se passe? Y a pas quelqu'un? Un docteur? Qui peut m'expliquer? Y a un problème là. Mais vraiment. Voilà, docteur. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? C'est pas vrai. Non. C'est pas possible. Je dois mettre un fauteuil roulant alors. C'est ça? Quoi? Mais c'est pas ouf. C'est pas cool. Mais c'est quoi ce Beans? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? En plus, il est bizarre ce siège. Mais du coup, je vais pas pouvoir conduire ma voiture. Mais c'est quoi ce délire? Allez, je sors d'ici. C'est bon. Ça m'a fait trop peur. Comment je vais faire? Faut que j'appelle mon patron. Je suis en train de me rendre compte que je suis enceinte.
Non, c'est pas possible. Il me faut un fauteuil roulant. Où c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'y arrive? Non! Ça marche plus! J'y arrive plus! Oui. Cela veut dire que je suis réellement enceinte. Regarde, j'arrive pas! Pouh! Je vais m'asseoir un coup. C'est quoi ça? Pourquoi je suis comme ça? C'est plus possible. Faut que je retourne à ma maison, mais à pied. Ça va pas être possible, hein. Faut que je retrouve ma voiture. Je vais prendre mon pick-up. Je suis là au moins. Et c'est pour ceux qui ont du mal. Ceux qui sont pas bien, ceux qui sont enceintes, tout comme ça, là. C'est un bon celui-là. Je suis obligée de griller les feux rouges par contre. C'est ça qui est pas génial. Bonjour la voiture. Mais pourquoi les gens qui sont en train de tout fermer là? C'est plus possible. Oula, mon pick-up il va vite quand même. Hein. Oula. Par contre, faut que je retrouve ma maison. C'est par là. Oh non. Oh, je peux pas retourner en arrière. Par contre, j'ai un énorme jardin. Je vais rentrer et j'ai un énorme jardin, donc c'est peut-être pour l'enfant. Heureusement, faut pas que je change ma maison. À moins qu'il existe une maison plus grande. Je vais faire mes bagages. Prendre tout dans mon armoire. Voilà. Alors, mes autres armoires aussi, donc là, il n'y en a pas. Je vais prendre ça, la nappe. Oh là là. Ici, ça, c'est des dossiers importants. Là également. Voilà. Dans ce bureau-là, il y a des dossiers également. Nickel. Et celui-là aussi. Voilà. J'ai tout pris. Fou, c'est lourd. Vraiment très lourd, par contre. Regardez. Il n'y a pas un animal de compagnie qui peut m'aider? Non? Pas de voiture, non? Oh, je vais sortir de la maison et je vais réfléchir à quelle maison je peux prendre. Je vais aller dans la maison. Oh non, ça me téléporte juste. Faut vraiment que je trouve moyen de changer. Ça. Ça va être bien mieux pour mon bébé. Voyons voir la taille quand même de cette chose géante, ça a l'air. Oula, c'est très grand comme maison quand même. Bon, je vais quand même aller voir. À l'intérieur, normalement, j'ai tous mes cartons. Ok, c'est parti, voyons voir pour le bébé quand même. C'est important de changer de maison. Parce que surtout, ma maison, elle était toute petite. Pour accueillir un enfant, ça serait pas idéal. Allez, vite! Faut que j'arrive à ouvrir cette maison, là. J'arrive pas avec la clé. J'ai l'habitude avec l'autre. Allez! Bon, par contre, pensons aux voleurs. Comment je vais faire? Mais vraiment, hein. Ah, elle est trop dure, cette maison! Ok, comptons les nombres de dossiers que j'ai réussi à avoir en attendant que j'essaie de trouver. Donc, j'ai trouvé que le voleur volait les enfants.
je l'ai dit au début. Ah, ça y est, j'arrive à entrer. Enfin. Wow, la vue qu'on a. Au-dessus des nuages, carrément, on est. Regardez-moi ça. Avec la ville en dessous. C'est magique. Je crois que j'ai bien fait d'avoir un bébé. En réalité. Regardez cette maison de luxe. Bon, après, elle coûte cher, mais... Bon, il n'y a que 2 étages. Mais ça peut le faire. Par exemple, ici peut être ma chambre et ici la chambre du bébé. Ou l'inverse. En vrai, c'est pas mal. Mais par contre, comment je vais faire avec mon travail? Let's go se rendre à la police, par contre. Hein. Je vais reprendre mon pick-up. En arrivant. Voilà, allez, let's go le pick-up. Et let's go aller à la police. Que je dois dire mon arrêt maladie. Donc, je tâche malade. Centre soleil. Ah bah, j'imagine que c'est là que je vais devoir poser mon fils. Faut que j'aille à la police. Que je sais plus où c'est. J'ai le mal à la tête. Bon, je vais appeler mon patron. Allô, patron? Je me garer juste. Je me dis, je peux me mettre là du coup, non? Non, 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 je suis pas loin, non. Ouais, allô, patron? Oui. Alors, désolé de vous le dire, mais je suis enceinte. Et du coup, il faudrait que je puisse avoir mon arrêt maladie. Oui. Je sais pas encore. Merci bien, monsieur. Je demande le sexe de l'enfant. Je le connais pas. Je viens seulement de l'apprendre. C'est même. Je sais que je suis enceinte seulement de 6 mois. Mais je sais rien de plus. Bon, je vais aller voir pour les décorations de Noël, comme ça. J'aurai plus de déco à mettre dans la maison. Oh, possible ce pick-up. Et pourquoi il me fait rouler, tourner en rond là? Voilà. Hop. Et voilà. Enfin. Et le sapin de Noël aussi. Allez, let's go. On va nous aller. Oh. Pourquoi ça m'a amené ça ici? Ah, mais c'est dégueu comme maison. C'est quoi cet endroit? Pourquoi quand j'ai cliqué dessus, ça m'a amené dans une maison toute bizarre? Ah, mais c'est grave. Mais vraiment. Hein. Je dois sortir d'ici et je peux plus voir cette chose. C'est monstrueux, mais vraiment. Je peux plus. Je retourne à ma maison. Ma maison. Vite. Pourquoi j'ai pas le droit d'entrer? Il pleut. Il pleut de ouf dans ma maison, dehors, et il veut que je peux pas rentrer. C'est quoi ce problème? Bon, maintenant, faut que j'arrive à trouver le moyen d'ouvrir. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah, comme ça. Ok, je retiens. Bon, voyons voir. Va vraiment falloir que j'aménage cela. Ah, j'ai mal. Je vais me caler ici. Ah. Je suis vraiment pas bien. Il n'y a vraiment rien. Oh, ça y est. C'est quoi ça? Oh.
c'est mon fils ? Oh, trop mignon ! T'es déjà habillé ? Bon, va vraiment falloir que je te trouve ton truc pour... Il faut vraiment falloir que je m'occupe de toi. Ça va pas être facile pour moi, mais je ferai de mon mieux. T'inquiète pas. Viens, tu choisis ta chambre. Viens. Soit là, soit là. Vas-y, je te laisse choisir. Alors, vas-y, choisis. Celle-là ? Petit malin, oui, évidemment. Ça sera ta chambre, c'est promis. Allez, viens là. Like et abonne-toi si tu veux une partie 2. Ciao, ciao !